YouTube, comment allez-vous? Je suis toujours dans l'adrénaline, moi, de mardi. Pour vous, on continue, voilà. On a deux petits chapitres à enquiller. J'espère qu'ils seront un peu plus positifs que ceux qu'on vient de vivre. Parce que ça me paraît difficile d'être pire, mais bon, qui sait? Bah, tout est possible, hein. Et bah allons-y, du coup, let's go. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à me soutenir moralement. Allez, ah oui, bah attends, oui, non, pas allez, il faut d'abord que je mette la souris sur le jeu. C'est mieux, ça marche mieux, quand même. De vieux amis. Ah, bah ça sent bon ça. C'est positif, de vieux amis. Il y a l'amitié et vieux. On va voir un ami mourir, c'est ça? Non, non, mais allez, un truc positif. On va peut-être voir les SDF. Un beau soleil. Oh, elle est trop mimes. Ça, c'est au début de la CIA, du coup, je suppose. J'ai pas regardé la frise. Jodie, ma petite princesse. Oh. Il nous en Laisse-moi veut te regarder une pas de l'avoir seconde. conduit dans une Incroyable, forêt. ça faisait longtemps. Mais t'es vraiment devenue une magnifique jeune femme. T'es plus jolie que jamais. T'as l'air triste et perdue, comme la première fois que je t'ai vue. T'imagines même pas à quel point tu m'as manqué. Et Aiden, comment il va? Hein? Oh, ouais. Content de te revoir, mon vieux. On marche un peu? Oh oui. Trop mimes. Ça fait du bien, voilà, je profite. Ils veulent te retrouver. J'ai dû m'enfuir. J'avais pas le choix. Discret. Tu as dit à quelqu'un que je t'avais appelé? Non. Bien sûr que non. Pas même à Nathan. J'ai pas intérêt à ce que tout le monde sache que Ah, je donc suis c'est un peu après tout, criminel, ok. ouais. Dawkins. Comment va Nathan? Oh, c'est le grand patron maintenant. C'est lui qui gère la DPA. Il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque de notre petit labo. Expérience. Est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde? Ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur, le plus puissant qu'on ait jamais créé. Évidemment, ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée. Et le truc dont je t'avais parlé? Tu as trouvé quelque chose? Le jour de ta naissance, une femme qui s'appelle Nora Gray a accouché à l'hôpital de la DPA. Mais Pas sûr son ça, enfant a maman. été déclaré mort-né. Nora? Qu'est-ce que tu as appris d'autre sur Nora? Eh bien, pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a 20 ans, elle a participé à un programme de recherche de la DPA. Elle aussi, elle avait un don, Jody. Où? Pardon. Pardon du tout. Où est Nora maintenant? Les médecins l'ont internée dans un hôpital psychiatrique, juste après son accouchement. Les enculés. D'après son dossier médical, elle est encore là-bas aujourd'hui. Pourquoi? Ma mère a passé 24 ans dans un hôpital psychiatrique. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce que disait le dossier. J'en sais pas plus, désolé. Ils l'ont mis là pour qu'elle se taise. Oh, c'est pas vrai! Il faut que j'aille la voir. Jody, je comprends que tu en aies envie, mais... C'est une patiente dans un asile psychiatrique. Tu trouveras peut-être pas les réponses que tu cherches. C'est pas pour avoir des réponses que je veux y aller. Je veux la rencontrer, c'est tout. C'est ma mère, alors c'est normal que j'ai envie de la voir. Si je pouvais la regarder dans les yeux une fois, je saurais qui je suis vraiment. Jody. Elle est dans un bâtiment sous haute protection de la DPA et tu es recherchée par absolument toutes les unités de police de ce pays. Tu pourras pas entrer sans te faire arrêter. Y a rien qui pourra m'empêcher d'y aller. Écoute. Je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider. Merci, Cole. Il est beau ce plan. Hey.
Tu crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule? Copain, copain! Donc on va voir notre... Oh putain, ça va être triste. Ah, ça va être triste, c'est obligé. Notre mère a été enfermée abusivement, c'est évident, dans un hôpital psychiatrique depuis 24 ans. Il y a quelque chose qui cloche. Aucun garde à l'entrée. Le parking est vide. Ça me plaît pas, cette histoire. Si je suis pas revenue dans 30 minutes, je veux que tu t'en ailles. Je suis pas venu là pour attendre dans une voiture. Cole, Cole, attends! C'est un piège. Oh putain. Pardon. Vas-y, Jody. C'est un putain de piège. Par contre, des gardes à l'entrée d'un hôpital psychiatrique, ça me semble un peu exagéré, non? Et comment l'agent de la CIA il pense qu'elle va voir cette daronne alors qu'elle l'a pas vue, elle l'a jamais vue? Ah, elle remarque peut-être que l'autre la connaît bien. T'as l'air zombifié, mon grand. Ah, on va tellement. Essayons la politesse. Essayons ça la politesse. À chaque fois. D'accord. Bonjour. Bonjour, je viens voir Nora Gray. À cette heure-là. Est-ce que vous avez une autorisation? Supplié. Est-ce que vous pourriez m'aider? Écoutez, c'est ma mère. Et je l'ai pas vue depuis... Désolée, mademoiselle, tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation. C'est un fail. Cole, il a dit non! Cole! Ok, alors cette fois, ça n'a pas marché. On fait quoi, du coup? J'ai peut-être une idée. Ah bah... J'avais peur que tu dises ça. Évidemment! Et salut! Te plains pas, t'es en orange, tu pourrais être en rouge, comment ça serait pire? On sait même pas dans quelle chambre elle est. T'inquiète, on va voir. Je vais trouver. Bah oui. Nora Gray, level 7, room 43. Nora Gray, 7e étage, chambre 43. Ah bah tu l'as dit aussi. Ah voilà, magnifique. Merci, bipède. Pour l'instant, ça va. Il y a une caméra là-haut, ça me plaît pas. Hein. Et maintenant? Aiden, trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Ok, alors attends, déjà, il me semblait que j'avais vu une caméra. Je peux pas la niquer. Aiden, derrière toi. Oui, bah attends. Voilà, nah, tiens. Voilà, coucouche la caméra, coucouche. Même si je pense qu'elle nous voit, mais bon. Aïe. Jette un petit coup d'œil. Jette un petit coup d'œil, ok, ok. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Faut faire une diversion, c'est ça? Ah merde. T'inquiète, je connais mon boulot. Il faut distraire le garde d'abord. T'inquiète pas. On va le faire exploser. Non, non, comme pas, il va doucement, hein. Voilà, un petit coup de jus. Ouvre la porte maintenant. Allez, viens. Ok, on a viré la caméra. T'inquiète, meuf. Alors, est-ce qu'il y a des caméras déjà? Non, ça a l'air d'être une salle de repos. Ah, si, il y en a une là-bas. Est-ce que je peux seulement l'atteindre? Putain, je crois pas. Elle est trop loin. Ça me contrarie beaucoup. Sache-le. Celle-là, je peux. Peut-être qu'elle est trop... Ah, peut-être qu'elle nous calcule pas. Peut-être que l'autre caméra, elle nous voit pas. Il est trop loin. Il est trop loin. Bon, en tout cas, ça, ça l'est pas. Voilà. Donc, en gros, il est trop loin, donc il faut qu'on le fasse se rapprocher, c'est ça? Est-ce qu'il y a moyen... Ah, ok, on peut bouger des trucs. J'aimerais beaucoup, beaucoup atteindre la caméra là, elle me stresse. Mais si on peut pas, j'en déduis que... Mec, sérieusement. Seriously.
C'est pas du... Oh, attends, je peux le posséder. Ah non, non, je peux pas le posséder, il est trop lent. J'ai cru, j'ai eu un instant de joie naïve. J'aimerais bien rester dans le champ là, au cas où la caméra là, elle me voit pas quoi. L'autre il va rien entendre là, c'est trop loin. Si je secoue ça, ils vont me voir. Au pire, ils verront une chaise bouger. Possession! Oh! Oh, une petite chute! Une petite chute! Alors, attends. Encore, attends. Cool, reste coucouche, hein. Je peux pas aller là-bas? Non, peut-être que je peux pas l'atteindre, elle. On va dire ça, hein. Hop. Ah bah oui, je suis con, la carte. Bah oui. Ça me stresse le coup des caméras, c'est pour ça. Cool, tu restes bien avec moi, hein. Fais pas le foufou, hein. Donc celle-là, on l'a niquée. Je guette les caméras. Oh, quelle horreur. Qu'est-ce qu'il y a? Ces cinglés me foutent vraiment les chocottes. On peut pas trouver la chambre 43 et filer d'ici. Si, c'est le plan. Oh, tiens, regarde. Bam! Je savais. Ah, attends, Cole, tu vas trop vite! Cole! Putain, tu vas beaucoup trop vite, mec! Oula. Mais non, je veux pas rentrer dans les chambres, ça me fait flipper. J'ai pas envie. Ah, j'ai trouvé la chambre 43. Cole, il fait des bêtises, il va trop vite. Oh là là, bah il nous a spotted, hein. Il est con. Ah, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ça me stresse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bouton. Chambre 43, j'ai trouvé, Jody. Oui, c'est très bien. T'as assuré. Oui, t'es génial. J'ai quand même envie de faire les caméras. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Oui, il m'a trouvé la chambre 43. Jody, par ici. Oui, bah j'arrive. Mais tu parles, il a couru partout. Tout le monde va le voir maintenant. Ok, elle, c'est bon. Moi, je crois qu'il y en a une autre là, mais... Au pire, elle va passer derrière. Comme ça, on la voit pas. Et j'ai niqué la caméra qui était là. Je sais pas si c'est... Je l'ai eu, elle, ouais. Je sais pas si c'est... À mon avis, il a été vu. Hein. À mon avis... Oula, pardon. À mon avis, je pense que c'était inévitable qu'on soit vu par la caméra. J'attends ici. Jody. Il est possible qu'elle soit troublée. Si ça se trouve, elle se rendra pas compte que t'es là. Tu devrais peut-être pas aller lui parler. Si c'est ce qu'elle veut, moi je vais avec elle. Maman, c'est moi. C'est Jody. Putain, c'est dur, hein. Je suis ta fille. Aiden, tu peux pas faire quelque chose? Je suis ta fille. Ma pauvre Jody. Aide-moi, Aiden. T'inquiète. C'était le plan, meuf. J'espère que ça va t'aider.
joué, Nora. La mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don. Vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé a? C'est qui le padré? Non, vous n'en serez pas capable, Nora. Laissez-nous nous occuper de tout ça. C'est pour le mieux, vous pouvez en être sûr. Mais c'est qui cette voix? C'est pas Nathan? C'est ma petite fille! Ramenez-la! J'ai changé d'avis! Je veux mon bébé! Assez d'avis, vite! Faites sortir le bébé d'ici! Je vous en supplie, laissez-moi la voir! Je veux mon enfant! Pitié, laissez-moi la voir! Il se peut qu'elle développe certaines capacités particulières. Prévenez-nous si vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel. Augmentez la dose. Faites le nécessaire pour qu'elle ne retrouve jamais conscience. Je suis désolée. Putain, j'aurais tellement la rage. Je te demande pardon. Tu es pour rien, ma chérie, c'est pas toi. Mais non, toi t'es juste née, ma chérie. Dis-moi, Aiden. Il peut aider quelque chose? Qu'est-ce que t'essaies de me montrer? Détruis cette chose, Aiden. Détruis-la maintenant! J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jody. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Y a rien, rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Ils te feront plus de mal. C'est trop tard, je dis. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde, je dis. Et rien ne pourra changer ça. C'est fou, c'est qu'un jeu, mais je suis super en colère pour elle, quoi. Putain, et on s'en va, on la laisse, sans déconner. Rien à faire de plus. Ma choupette, je suis désolée pour toi, vraiment. T'as vraiment rien à faire, on peut pas l'emmener là. De reparler encore. C'est affreux de retrouver sa maman pour jamais la voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que j'ai loupé quelque... Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je peux faire. Quand il me propose de rester ou de partir, c'est qu'il y a quelque chose que je peux faire. Ah! C'était la voix d'Aiden. Aiden peut faire quelque chose? Tu peux faire quelque chose? Obligé de le faire.
mais elle me l'a demandé. T'as vu comment elle est? Elle est dans l'espèce d'enfer de bulle là. Elle est obligée de rester là-dedans. C'est pire que la mort. C'est pas comme si elle était bien, quoi. Je serai toujours près de toi. Bah, rien ne nous est épargné, non mais c'est pas... Je me demandais juste avant ce qu'il pouvait nous faire de pire. Ah, mais tu es notre propre mère, c'est cool, non mais c'est cool. Désolé, Jody. Ah! Pourtant, j'ai voulu éteindre les caméras! Moi, je m'attendais à ce que ça s'arrête là. Ok, on est chez quelqu'un de très riche, manifestement. Je m'attendais vraiment à ce que ça s'arrête là, je suis choquée. Genre, on a même pas de moment de deuil, quoi. Je regarde la bibliothèque au cas où. Grosse bibliothèque, hein. Quelqu'un qui aime lire ne peut pas être foncièrement mauvais. Je pense pas que Cole nous ait trahi, j'espère pas. Alors attends, Aiden, bouchon, je vais avoir besoin de toi. Est-ce que tu peux me... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est le bureau de Nathan. Cole, il nous a dit que Nathan c'était devenu un gars de famous de ouf. J'espère que c'est pas Nathan qui a balancé notre daronne. J'espère que c'est pas Nathan, j'espère que c'est un autre docteur, hein. C'est putain, c'est le bureau de Nathan. Boule à neige, boule à neige. C'est la boule qu'il y avait. C'est ouf. Est-ce que je peux comprendre quelque chose? Je crois pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? En plus, Nathan, il sait qu'il faut pas jouer à ça, là. Putain, c'est Nathan qui nous a trahis. On peut rien faire. Je sens. En même temps, Nathan, c'est l'acteur du bouffon vert. Je dis depuis le début, cet acteur, ça peut être qu'un enculé. C'est pas vrai, dans Aquaman, il l'est pas. Mais ça m'a perturbé, hein. Tu peux aller voir là-dedans? Non, tu peux pas. Peut-être nous, oui. Ouais, nous, on peut. Il joue. C'est toi qui as buté notre mère? Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai? Nathan. T'es trop confiante? Je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose.
Tu as perdu du poids. Et tu as l'air épuisé. Mais en tout cas, tu es en vie. Allons dans mon bureau, tu veux? Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Comment tu te sens? J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas aidé. Je suis vraiment navré, je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. C'est Ian. Comment ils ont fait pour me trouver? La DPA te piste depuis le jour où tu t'es échappé. Ils voulaient te tuer tout de suite. Mais je les ai convaincus qu'il ferait mieux d'attendre et de t'observer de loin. Cole? Où est Cole? Il est chez lui, il va bien. Il t'a aidé, mais ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait la nuit dernière. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ma mère m'aurait jamais fait de mal. Ils ne voulaient pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Mm-hmm. Vérité? Pourquoi tu ne m'as rien dit à propos de ma mère? Pourquoi tu m'as caché la vérité toutes ces années? J'ai voulu te le dire, je te le jure. Mais comment dire à une fillette que rien dans sa vie n'est vrai? Alors j'ai essayé de veiller sur toi. Je t'ai aimé. J'ai fait tout mon possible pour te protéger. Ouais. Je me méfie, tu m'excuseras. Et maintenant, tu comptes me renvoyer à la CIA? C'est ça ton plan, Nathan? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Et ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger. Quoi? Amère. Quoi? T'es pas bien? Tu me demandes d'aider les gens qui m'ont pris ma mère, qui m'ont menti pendant des années et qui m'ont volé ma vie? Tu plaisantes? Tu trouves que j'en ai pas assez fait? On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Mais on vous a dit d'arrêter de jouer à ça. Qu'est-ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jodie? Tu parles, c'est de l'entourloupe, je suis sûre qu'il veut juste pas... Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça me regarde pas. Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. Il veut juste pas que le pays le dépasse. C'est bon, on m'a déjà niqué. C'est de la CIA. Exactement. C'est plus mon problème. Ils veulent te proposer un accord. Tu leur rends ce service. Et ils te libèrent pour tout bon. Je dis, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Mais t'en as un dans ton putain de labo? Tu es la seule qui ait le pouvoir d'empêcher ce malheur. Ah, j'ai même pas le choix en fait. Ah, je suis courroux là. Bon, on est 72% à avoir posé une question sur Dawkins. Ok. 83% ont distrait le garde avec le panneau électrique. On pouvait faire autre chose, je savais pas. 72% avoir mis fin aux souffrances de Nora. On est quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup à l'avoir fait, mais il y a quand même un pourcentage notable qu'il a pas fait. Hein. On est 50% toujours pas connaître le nom de notre père, j'avoue. Mais il y avait. Oui, j'aurais bien aimé savoir, mais. 30% à pas avoir exploré les cellules. J'avais pas envie. En vrai, honnêtement, j'étais assez. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est un peu folie. Et j'avoue que j'avais pas envie de m'infliger ça en plus de tout le stress que j'avais dans le jeu. Hein. Et 98% a pris le médaillon. Ok. Et ben on a fini. Ouais, alors c'est un peu plus court, on fait 30 minutes, donc non, c'est pas beaucoup, c'est le temps classique. Hein. C'était d'une tristesse infinie cet épisode, voilà. C'est bien parce qu'on a fait la détresse et la peur, et là la détresse et la tristesse. Non mais au bout d'un moment, peut-être que la semaine prochaine on va avoir la détresse et la dépression, je ne sais pas. Et au bout d'un moment, la détresse et la colère, on n'a pas eu ça encore. Hein, où on fait exploser la planète tant qu'à faire et tout le monde crève, c'est sympa. On verra du coup la suite la semaine prochaine. Non mais c'est vrai que c'est impactant, heureusement je fais pas tout le jeu d'un coup parce que... en vrai, ça me ferait un vrai coup au moral, hein. Déjà, je suis pas paro, mais... Du coup, je vous rappelle que si vous voulez suivre en direct l'aventure, c'est le samedi à 21h sur Twitch. Sinon, on se retrouve pour la semaine prochaine, le mardi et le jeudi, à 19h sur YouTube, pour la suite des aventures de Jodie. Et je crois qu'on approche de la fin, mine de rien, à grands pas. Et il est temps, parce que j'avoue que j'ai besoin d'autre chose, là.
Oh là là, non, parce que ça va de crescendo en crescendo au niveau des mauvaises nouvelles, ça ne va pas. Donc il y a plein de bisous et on se retrouve très vite. Mouah, prenez bien soin de vous et essayez d'être un peu plus heureux que Jodie. En même temps, c'est pas bien dur.